Andrei Bykov, vous avez montré beaucoup de caractère au deuxième tiers, mais ça n'a pas suffi pour aller chercher et reprendre l'avantage de la glace. Oui, effectivement, c'est frustrant. Il y a eu effectivement une bonne réaction. Ensuite, on a nouveau manqué le coche en prolongation. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut changer à Fribourg pour essayer de renverser ces EDC Lions? Je pense pas qu'il manque grand-chose. J'ai l'impression que les parties sont très disputées, c'est très serré. On le répète, mais ça se joue sur des petits détails. Et puis voilà, je pense qu'on a mis plus de pression sur la cage dans le deuxième tiers. Ludo voyait moins de pucks, il était un petit peu plus mis sous pression. J'ai l'impression que ça a porté ses fruits. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire pendant tout le match. Et puis ouais, on a encore des choses à travailler pour aller chercher cette victoire après-demain.